Warst du schon mal so vor so vielen Leuten auf der Bühne? Jo. Jo. Okay. Du kannst den Zettel nicht lesen, oder? Ich hab's versucht. Ich glaube, ihr habt mein Fehlen zweimal mitbekommen. Also von daher, dann sag mal die Übersetzung an. Das ist auf Französisch und es ist stream.c3lingo.org. Ok, donc comme à chaque fois, il y aura une traduction en français qui sera aussi disponible, c'est sur c3lingo.org. Bienvenue sur le canal de traduction de cette conférence sur Security Nightmares par Frank et Ron. Vos traducteurs pour cette présentation sont HNMS et... C'est pas schlecht, ils sont en Spanien. Tu peux dire bonjour à ta maman. Ouais. Il fait ça en, enfin, en espagnol et là, ah bah, buenos días, mamá. Et comme toujours, nous apprécions votre feedback sur Twitter, hashtag C3T et par email hello@c3lingo.org. Ainsi que sur Mastodon à c3lingo@chaos.social. Wieder. Es ist aber auch Aufregung, oder? Ich hab Puls. Ja, ich auch. Ich hab bisschen Puls. Ja, ne? Was ist mit euch? Haben alte Männer auch noch Puls? Der eine, der andere. So, machen wir ein kleines Spiel. Ihr kennt das mit dem Defragmentieren, ne? Vous connaissez le jeu avec la défragmentation. On prend un PC. Quand on défragmente, il y a certains qui devaient vous lever. Veuillez mettre vos sacs sous les sièges et levez la main qu'on sache où les pieds. Encore des places libres. Ouh, il n'y a pas tant que ça. Mais il y a combien d'entre vous qui se sont assis avant la pause? Ok, quand même. Donc on peut faire la partie marrante. On a des faits. Donc on va faire l'entraînement pour le closing, pour la fermeture. Ah, en bourse, ça a bien marché. Donc, est-ce que ça marche, là? Tu prends la moitié, je prends l'autre moitié. On va couper au milieu. Donc, les uns sous les autres vers moi. Nous voulons faire une laola. Et on fait une clashing laola. Donc, on veut commencer à gauche. Et ça commence. Allez! Avancez un peu. On y va. Einsa. Und jetzt zurück nochmal mit richtig viel Sound. Sekunde. Et maintenant. Attendez, on la refait. Donc bien fort. Oh. Ich hab Gänsehaut. J'ai la chair de poule. So, und jetzt kommen die Fakten, ne? Et maintenant, c'est les faits. Les faits. Nous avons recherché chez les anges, et les anges, vous le savez tous, pourquoi? On va arriver. Donc c'est tous ceux qui organisent ici. Donc un énorme applaudissement pour les anges. Jetzt ruft mich einer an. Et maintenant il y en a qui m'appelle. Chez moi ça a aussi sonné. C'est toujours les mêmes blagues. C'est une blague ou c'est autre chose? Oh. Donc, pour l'instant, c'est très peu. On a 1043 personnes, jour personne. Donc, c'était 2949 anges avec au moins une heure. Gegliedert. Divisé en 59 genres d'anges, types d'anges. Donc différentes responsabilités. Donc de récupérer les bouteilles à être devant vous.
Donc j'ai pris combien de paie minimum ? 9,50 de SMIC. 9,50 de salaire minimum multiplié par les heures, non ? Donc si on fait à 9,50 multiplié, 79 000, je ne sais pas quoi, euros. Et c'est vraiment si on prenait le salaire minimum. Mais vous êtes... Et j'ai calculé avec 99 euros. Et donc là, on est à 88 000 euros. Je peux faire une facture. Et sinon, il y a 2400 personnes qui se sont enregistrées pour les anges. Il n'y en a que la moitié qui a pu faire des... qui a pu faire les anges, parce qu'il y en a tant qui ont essayé, qui se sont investis. So. Ah. On est préparé. Ah bon. Bon. Donc, qui a eu ce moment de « je te l'avais dit » ? Qui est-ce qu'il a eu au moins une fois ? Allez, levez la main. Allez. Bon. Ah, si, ça y est, ça commence. Il y en a quelqu'un, c'est dans la famille, en meeting, quelque part, le... Oh. Ah, mais oui. Oh. Mais qui connaisse quelqu'un qui avait ce moment-là ? Qui connaît quelqu'un qui a eu ce moment au moins 5 fois ? Ah, c'est pas beaucoup moins. Donc ça va pas être si mauvais que ça, la prochaine présentation. On vous donne des munitions pour ça. Les 13e security, cauchemar de sécurité. Un tonnerre d'applaudissements pour René Franck. Tout toi ? Ça marche ? Ah, salut. Merci. Oui, bienvenue au cauchemar de la sécurité. Bonjour Leipzig. Hallo Neuland. Bonjour le pays nouveau et non découvert. On est très content que vous soyez là. C'est la 19e fois qu'on fait cet événement à la 35e conférence. Pour le congrès, c'est une limite parce qu'il y a 2 ou 3 ans, tout ce qui est plus vieux que 35 peut aller dans un musée. Donc l'année prochaine... ah non, le premier congrès n'était pas dans le Bürgerhaus à Eidelstedt. Enfin, faut qu'on fasse revoir ça par un historicien. Qu'est-ce qui est là pour la première fois ? Ah ouais, quand même. C'est moins que d'habitude. Je trouve ça une bonne tendance. Qui d'entre vous peut expliquer les bases de TCP/IP ? Et qu'est-ce qu'il a appris lors de ce congrès ? Personne. Ok. Bon, là... IPX erklären. Qui est-ce qui peut expliquer les fondements de SPX, IPX, IR15, SNA? 3. 3 personnes. Les couches 1 et 2 du Wi-Fi. Ah, là, on a quelques experts du câblage Wi-Fi. Et les fondements de LoRaWAN. Intéressant, c'est toujours les mêmes. Souvenez-vous des personnes, c'est ceux dont on a besoin avant l'apocalypse zombie. Vielleicht. Genau. Was immer witzig ist, ist ich. Ce qui est toujours rigolo. Je mets toujours le converteur. J'utilise toujours un converteur de nombres. Je regarde dans quel système ça donne un nombre rigolo. Et donc là, cette fois, dans le système octal, c'est la 23e édition. C'est joli.
Und ihr seht, wie das da. Et vous voyez comme la notation 0O. Et je me suis dit, ça me rappelle à quelque chose. C'est comme ça que j'ai regardé pendant toute cette année. Ok. Aber das eigentliche Bild... Mais l'image de l'année, en fait, pour moi, je viens de la découvrir sur Twitter. Mit der DSGVO. Et grâce à la GDPR, la Directive européenne sur la protection des données, les blagues sur le Père Noël ont reçu une nouvelle dimension. Enfin, il fait une liste d'enfants qui sont gentils, qui sont pas gentils. Et en plus, il va recevoir un courrier recommandé avec accusé de réception et il faut qu'il donne accès à toutes ces bases de données. La plupart des parents ont des jeux où soit ils imitent le Père Noël, mais c'est beaucoup plus rigolo si ils font un mécanisme où soudainement il y a les cadeaux qui sont là et le Père Noël a déjà disparu. Du coup, comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait une demande de transparence au sac du Père Noël ou... Parce que ça prend quand même 12 mois de traitement, ça va... c'est pas conforme à la législation. Oui, le réseau de poste Chaos fonctionne. Merci beaucoup pour les cartes postales. D'ailleurs, dans la cabine française, on en a reçu une aussi. Merci beaucoup pour cela. Merci. Oui, l'année prochaine, on peut commencer avec la rétrospective pour 20 ans. Mais je pense qu'on va rester à 10 ans. C'est plus rigolo. Donc, il y a 10 ans, on avait ce sujet des testeurs bêta pour la nouvelle technologie de surveillance. Et ce serait sympa de prendre par la main les députés fédéraux parce qu'ils ne se rendent pas compte vraiment de ce qu'ils décident. Parce que finalement, ils ne sont pas suffisamment concernés. Si on change ça, leur égard changerait pas mal. Ce qu'on avait cette année, c'est que les ministères avaient de la technologie de surveillance innovative, donc un cheval de Troie qui faisait du command and control par email, ce que je trouvais assez innovatif. Parce que comme ça, on n'a plus besoin de le hacker, on envoie juste un email et il répond. Je trouve ça assez confortable. Peut-être qu'il y aura un chatbot bientôt. Hey, cheval de Troie, écoute. Ah, il manque juste que ce soit stéganographié dans un email spam ou dans des cookies de publicité. Ça, ce serait vraiment un système de command and control assez innovateur que le cheval de Troie fait juste semblant de cliquer sur une pub et le retour sur le cookie, c'est ce qu'on va avoir. Par exemple, les bitcoins. Enfin, quelqu'un peut peut-être construire ça. Dans la même catégorie, il y a 10 ans, on avait donc une sauvegarde préventive de données pour tous les députés et ça a fonctionné en limite seulement. Enfin, là, cette année, il y a quelques contenus de groupes WhatsApp qui ont été publiés, qui ont été leakés. Ça n'a pas pris 10 ans, mais seulement 9 ans. Et d'ici, ça va juste devenir plus. Peut-être qu'on était un peu en avance, mais on a encore de l'espoir. La tendance va dans la bonne direction. Il y a une question du public. Ok, lauter. Wir sollen noch lauter sprechen. Faut qu'on parle plus fort. Lauter. Parler plus fort des routeurs. Bon, il y a 10 ans, les autorités américaines
ont créé 3500, ont enlevé 3500 routeurs de leur réseau où il y avait un logo Cisco dessus. Parce que, en fait, c'était pas des routeurs Cisco. Ils avaient juste l'air d'être des routeurs Cisco. Et cette année, on avait la discussion sur des backdoors dans des matériels. Et Bloomberg a publié une histoire qui était assez vague sur des cartes mères de serveurs, mais ils ont toujours pas publié leur source. Mais finalement, toutes les images étaient des photomontages. Ça a duré une semaine jusqu'à ce que ça soit éclairci. Moi, ce que je suppose, c'est qu'ils ont entendu parler de quelque chose qui a vraiment eu lieu une fois. Ce n'était pas si ce qu'ils ont publié, mais ce qui était intéressant, c'est que toute cette discussion a continué et que ça a créé un sol fertile pour la discussion de backdoor concernant Huawei. Les Américains ont stressé partout sur le monde, ont créé du stress dans des pays pour enlever des matériels Huawei parce qu'il y a des backdoors dedans. Et c'est intéressant de regarder ces documents parce que les backdoors dans les produits américains, c'est pas vraiment rare. Et là, on se rend compte, est-ce que cette politique, est-ce que c'est juste un choix? Quel fournisseur de backdoor vous aimeriez bien avoir? Et donc on peut, c'est des petits jeux où on commence d'abord à penser par OK, donc ils commencent par dégager en premier ceux qui ont une backdoor dans lequel ils voulaient, dans le matériel dans lequel ils voulaient avoir une backdoor mais ils n'en ont pas eu, ou alors celui où ils ont une backdoor où ils pensent que quelqu'un d'autre a une backdoor dedans. Et donc c'est la blague, tu as besoin de trois antivirus, un américain pour choper les Russes, un Russe pour choper les Anglais et un Finlandais pour les Suédois ou quelque chose. Yeah, equal opportunity backdooring. Opportunité égale sur les backdoors. Donc c'est donc entre un firewall et un firewall, il y a toujours de la place pour un troisième firewall. Donc aussi dans le domaine commercial, les backdoors étaient aussi un thème. Donc dans les credit cards, dans les terminaux de carte de crédit, donc les terminaux sont scellés. C'est-à-dire on ne peut pas y accéder. Mais si la backdoor vient sort de l'usine, ou alors est installée par le service, ça devient plus difficile à trouver. Et donc on va les peser. C'était une bonne idée. Cette année, on a vu que même les pesées, ça n'aide plus puisqu'on a motivé le hardware pour qu'il soit plus léger. Et que maintenant, ils savent que ça va être pesé, donc ils mettent un autocollant dessus où ils enlèvent de la matière de façon à ce que la nouvelle puce ne pèse pas plus pour contrebalancer le poids de la puce. Donc, maintenant, mesure l'inertie. On mesure l'inertie. Donc, on n'a pas le droit de les ouvrir. Parce que sinon, ça casse le scellé, le seau, et donc ça n'est plus correct. Et donc, on peut en ouvrir un. Donc, eux, ils sont certains que c'est propre. On peut regarder dedans. On voit qu'il n'y a absolument rien dedans, on utilise ça comme tare, et les autres devraient être pareils. Donc quand on fait une mesure d'inertie sur les serveurs, à la fin, tu n'as plus que des... Ah, pardon ? Il y a, de toute façon, c'est que du SSD dedans, donc on peut le faire. Mais t'imagines, ils sont tous dans un coin du serveur quand tu les secoues. T'imagines que ça va être marrant. Et il y a 10 ans, il y avait les spams de tueurs à gages.
Donc on a reçu un mail où on disait « Bonjour, je suis ton tueur à gages aujourd'hui. Je dois te tuer, mais tu peux me payer pour que je ne te tue pas. Fais simplement un virement à tel endroit, ou alors donne-moi du crédit iTunes. » Et donc c'était il y a 10 ans. C'est pour ça. C'était pas encore les bitcoins, comme c'est aujourd'hui. Qui d'entre vous, qui d'entre vous serait un millionnaire bitcoin s'il n'avait pas acheté un burger il y a 10 ans? Plus que j'aurais pensé. Bon. Donc c'est même ça. Ça s'est développé et il y avait un article dans Wired sur quelqu'un qui a recherché ces histoires de tueurs à gages. Donc, qui fait comme s'il pouvait donner des contacts avec des tueurs à gages et qui prend de l'argent pour ça, avec différentes marques. Il prend des bitcoins et il explique toujours il explique qu'il récupère l'argent uniquement quand le meurtre a été fait. Et quand on lui fait le virement bitcoin et qu'on donne le nom et l'endroit, on dit tout simplement « Votre tueur à gages est informé ». Et deux jours plus tard, c'est « Il est en chemin ». Et ensuite, il y a eu un retard dans l'exécution. Malheureusement, la voiture est cassée. Il est bloqué. Est-ce qu'on pourrait envoyer quelques bitcoins pour réparer la voiture? Et après une semaine, il n'est pas si bon que ça. Mais il a l'argent, donc juste un tout petit peu plus d'argent pour avoir un tueur à gages encore plus professionnel. Et donc c'est toute une histoire. Et le plus dingue, c'est qu'à la fin, qu'il explique que les gens qui veulent tuer quelqu'un, ils leur volent du temps et de l'argent. Donc c'est un problème éthique très intéressant. C'est quand même intéressant comme point de vue. Donc on va continuer. Et il y a 10 ans, on a dit que toute cette histoire de réseaux sociaux, c'est sans doute une bonne base pour des crimes de données et qu'il faudrait revoir ça dans 10 ans. Sécurité GSM. Je pense pas qu'on a besoin d'en parler encore plus. Il y a combien de façons différentes de hacker une station GSM dans ton sac à dos? Elles viennent de Chine, je suis sûr qu'elles sont parfaitement en ordre. À l'époque, ça commençait avec les filtres nationaux, que l'Internet était ségrégué selon des régions, que les premiers pays commençaient à créer ça. On se disait que peut-être qu'on avait besoin de plugins dans le navigateur pour regarder comment l'Internet avait d'un autre point de vue. Pour voir quelle est la perspective vue d'un autre pays. Et ça a pris un peu plus longtemps ce qu'on pensait, mais bon, là c'est clair en fait que dans énormément de pays, ces filtres dans l'upload ou le téléchargement sont arrivés et que la technologie pour regarder de quoi ça a l'air dans un autre pays devient vraiment intéressante. C'est à peu près la première forme de réalité virtuelle pour tous, au niveau de pays souverains. Mais pour la personne privée, c'est plus intéressant de voir comment est-ce que je regarde ce site quand je ne l'ouvre pas avec mes cookies.
Et je pense qu'avec ça, il manque encore les plugins. Mais au moins maintenant, il y a un marché pour les prix selon l'endroit. Les gens se rendent compte maintenant que s'ils effacent tous les cookies qui demandent le prix pour ce vol, il est combien ? Bah, soudainement, le prix descend. C'est quand même étrange. La mise à jour pour la normalité d'Internet, des nombres pour 2018, parfois 2017, on ne sait pas trop. Il y a plus de 40 smartphones Android avec un cheval de Troie dès la livraison. Donc, il ne faut pas encore l'installer, c'est déjà vendu comme ça. Dann gab's eine Studie. Il y a une étude qui est sans doute fortement biaisée, mais je me suis quand même dit que c'était Capitaine Obvious qui nous rapportait cette étude. Donc si j'ai des DevOps et que je rajoute un DevSecOps, que je suis plus rapide que normalement, ça je pense que c'est clair. Ce qui est surprenant, c'est qu'on est plus de 10 fois plus rapide. Je pense que DevOps le demande quand même. Enfin, si tu te déploies 20 fois plus rapidement que d'habitude et 20 fois plus souvent, bah, il faut aussi que tu nettoies ta sécurité au moins 10 fois plus souvent pour arriver sur le même niveau que d'habitude. Les attaques de skimming sur des distributeurs automatiques de billets, ça c'est vraiment pas intéressant. Ça s'est un peu dégradé, mais pas de beaucoup. Par contre, il y avait donc ce titre dans les actualités. J'ai seulement vu ça quand j'ai fait une revue de presse pour toute l'année. On a vu que dans beaucoup d'articles, c'était noté que les 2,2 millions d'euros de dégâts, il n'y a que 15% qui sont vraiment arrivés en Allemagne. Et la raison, c'est que il y a maintenant des clauses internationales qui disent que ce dégât est déplacé dans le pays où il y a la régulation de sécurité la plus basse. Ou alors c'était des histoires de cheval de Troie, de chantage. Ok, donc des clauses internationales, des assurances, c'est intéressant ça. Moi j'aurais cru que le niveau de sécurité monte parce que les assurances attendent de certaines mesures. Ah bon, si on regarde ces distributeurs, les problèmes, enfin, les mesures qu'il faut appliquer pour sortir de l'argent, c'est vraiment pas énorme. On peut juste filer les sous, non? Avec les claviers sans fil et tout ça, il y a. Enfin, je trouve que tous les distributeurs devraient avoir un accès pour des claviers sans fil. Google a dit qu'ils ont enlevé 700 000 apps méchantes qu'ils ont enlevées de la Google Store. Au moins, c'est un nombre. Chez Apple, c'est un peu comme les Esquimaux et la neige. Ils ont beaucoup de mots pour ça, mais pas de chiffres exacts. Donc, au moins, on est certain que les apps qui sont méchantes, comme par exemple l'extraction de données, le tracking, tout ça, il y a des gros chiffres d'affaires hier, et c'est pas si facile à reconnaître que de façon à pouvoir le voir tout de suite à l'entrée dans les stores. Donc ça va être un champ de bataille très intéressant, même chez les fournisseurs. Donc ils achètent tous chez les mêmes fournisseurs, comme par exemple le hardware Android de base. Donc par Lenovo, ils avaient aussi ce genre de problème. Non, c'était l'an dernier, mais cette année, ils devaient payer. Ah oui, c'est ça. Et c'était 7,3 millions, c'est pas vraiment
follement, c'est pas fou, mais c'est quand même quelque chose avec lequel tu peux remarquer quand même. Donc un chiffre. Donc c'est juste comme ça, c'est affiché et quelqu'un a dit j'ai Internet V4 et il y a 2 pétabits de firme, de données de société. Donc puisque c'est le pétrole du 21e siècle, ça fait le pétrole est sur la rue et on le voit sur tous les lacs, on glisse dedans en fait. La plupart c'était des S3 de chez Amazon ou des serveurs FTP ouverts. Ah, c'était comme Lucky Luke où il faut un trou et dans le sol et puis il y avait et le pétrole montait, enfin l'huile et donc bah, les données c'est pas comme ça sinon. C'est parce que sinon les researchers auraient tous un visage bien noir. C'est marrant. C'est une. Si une. La richesse de données ressemblait à une explosion de tonnerre, il faut se passer quelque chose. Ça va très vite. Il faut que quelque chose se passe vite. Les arnaques au support technique, si quelqu'un t'appelle. Et si quelqu'un te répond, bonjour, je suis Microsoft, de Microsoft, et on aimerait bien enlever le virus que vous avez sur votre ordinateur. J'avais toujours l'impression que, oui, mais non, pas en Allemagne, à cause de la barrière de la langue. Et effectivement, il semble que ça commence à venir, que oui, ça, il y en a de plus en plus. C'est dans 180 pays ou quelque chose comme ça. Mais il y a aussi des cas d'Allemagne. Donc on va demander dans le public, est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui a eu un appel de Microsoft à propos d'un virus? Ok. Quand même. C'est quand même pas mal. Et qui avait un appel qui était aussi en allemand? Ah. Et combien ont eu un appel en anglais? Ah, c'était quand même 50%, ok. Moitié-moitié. Ok. Waouh. On a une théorie à propos de ça. On va en reparler tout à l'heure. C'est intéressant. Donc, on applaudit pour Let's Encrypt. Des certificats qu'on peut atteindre et Microsoft sont sur ces sites et Microsoft leur fait confiance depuis août. Ils sont toujours un petit peu plus prudents. Dans le thème des machins qui ne sont pas arrivés à leur fin et qui vont probablement pas être, qui vont arriver à leur terme d'ici 10 ans ou dans les 10 prochaines années. C'est impressionnant les dimensions des IP adresses, des adresses IP. C'était plus de 5000 hosts qui étaient encore affectés par WannaCry. Et maintenant, on se pose la question, comment est-ce qu'on peut encore avoir ces infections, ce taux d'infection? Il va falloir quelque chose comme une plaque d'immatriculation pour les old-timers, pour les vieilles voitures, pour le hardware. C'est-à-dire que les old-timers, les voitures, ont des plaques d'immatriculation spéciales de façon à ce qu'ils puissent aller dans les villes qui sont protégées. Et il va nous falloir la même chose pour l'IT. Donc tu vas avoir une petite plaque avec un petit H vert. De façon à dire que le matériel qui a plus de 10 ans, ça a quand même le droit de rouler. Donc, il va falloir des cellules ouatées. On va plus trop faire l'enfermer, en fait.
Gut. Die Rückschau auf diese. Ok, la rétrospective sur cette année. Bien sûr, le hacking du Parlement fédéral, qui, comme disait notre ministre de l'Intérieur, était techniquement sophistiqué. Il voulait dire que les impôts qui ont été utilisés pour nettoyer ont bien été utilisés parce que c'était quand même pas si simple que ça. Ouais, laissons tomber. Si on imagine que si notre ministre de l'Intérieur trouve quelque chose de compliqué, le service secret de Grande-Bretagne a demandé quelque chose d'intéressant. Il a dit donc, si on est une région et que cette région est intéressante et qu'on veut les hacker, on veut savoir plus de choses sur eux, donc... Et si tous les gens, un gouvernement, pardon, et si tous les gens utilisent du cryptage, on ne peut pas regarder ce qu'ils disent. Donc, il faut qu'on attaque leur ordinateur. Et comme on a utilisé de l'infection de masse avant, on veut ça aussi maintenant. Et finalement, ils ont envie d'avoir le droit et les moyens d'infecter des centaines de milliers d'ordinateurs dans certaines régions de façon proactive. Sans qu'il y ait un cas concret, juste pour voir ce qu'il y a dans la région, pour exfiltrer des données. Enfin, voilà, ils ont vraiment besoin de ce chatbot pour infecter. Nachts um drei. Ce serait simple, à 3 heures du matin, tout le monde leur raconterait n'importe quoi. Man denkt ja immer, das ist da irgendwie on pense toujours qu'il s'agit d'ordinateurs ou de PC, d'ordinateur portable ou de PC, mais finalement il s'agit aussi de télévision et après-demain aussi des Barbie et les Alexa. Oui, voilà, Alexa, les HomePod et le truc de Google. Genau. Ja, das e-Government ist ja bei uns immer eine. Le gouvernement numérique chez nous, généralement, c'est connecté avec des histoires de haute compétence. Enfin, c'est techniquement sophistiqué. Et cette histoire, bon, ça date d'un peu, mais ça a continué jusque cette année que la CIA utilise les systèmes de communication avec ses sources dans des systèmes web qu'ils ont acheté pour beaucoup de milliards de dollars. Beaucoup de millions de dollars d'un contracteur, sauf que l'Iran leur a infiltré un double agent qui leur a expliqué comment le site web avait, quelle tête ce site web avait. Donc ils ont regardé quels sont les sites web semblables. Ils en ont trouvé plusieurs douzaines. Puis ils ont surveillé les personnes concernées. Donc, après, ils ont parlé aux Chinois qui pouvaient aussi les aider. Et il s'est avéré que la CIA, avec leurs contracteurs, a perdu tous ses réseaux de sources dans ces pays. Et il y a pas mal de personnes qui sont mortes aussi. Donc le gouvernement numérique, c'est vraiment pas si simple que ça. Même si on veut se défendre contre des choses techniquement sophistiquées, Le terme scientifique, c'est un Google Doc. Cherchez ça sur Google si vous voulez. Le prochain, c'est vraiment une histoire géniale. En Australie, ils viennent de passer une loi qui s'appelle Assistance and Access Bill. Abgekürzt als ASBIL. Avec l'abréviation ASBIL par les fans, pour les intimes. Il y a des vidéos explicatoires vraiment hilarantes. Ils veulent mettre des backdoors dans pas mal de produits. Ils veulent vraiment aller loin. Ils veulent aussi que des citoyens australiens puissent être motivés d'intégrer des backdoors dans les produits de leur société. Et tout ça dans un pays
qui a justement un scandale en cours qui s'appelle The Cabinet Files. Vous nous demandez ce que c'est. L'histoire, c'est qu'un journal a acheté plusieurs armoires à documents qui étaient disponibles sur le marché de meubles de seconde, enfin d'occasion, et ils étaient vendus avec contenu. Et là, vous nous dites, mais pourquoi ils étaient vendus avec contenu ? Parce qu'on a perdu les clés. Ouais. D'accord. On veut quand même faire la remarque qu'il y a une nouvelle histoire, un nouveau marché, que sous hypnose, on peut aider aux gens de se rappeler de leur mot de passe. Ça va venir. Incroyable. Et un des grands débats cette année, c'était l'introduction de TLS 1.3, où certains participants dans cette discussion étaient convaincus que c'était trop sûr, parce qu'on ne peut plus regarder à l'intérieur, enfin, pas simplement en tout cas. Et ce qu'il faut préciser, c'est que les anciens modèles de sécurité où on disait qu'il faut regarder à l'intérieur, ça veut dire qu'on a un réseau interne auquel on peut faire confiance, et il y a les connexions qui rentrent, et à l'intérieur on fait les choses sans cryptage parce que tout est sûr à l'intérieur et on se protège vers l'extérieur. Mais finalement, vu que les chevaux de Troie commencent à communiquer par email, ça aide plus d'avoir un réseau interne sûr. Et donc là, on va vers des réseaux dans lesquels on n'a pas besoin de se faire confiance. Donc on a les serveurs qui se font plus confiance, qui communiquent de façon cryptée. C'est pour ça que le TLS 1.3 a été imaginé. On va voir comment cette discussion se développe. Et sinon, il y avait l'attaque e-fail sur S/MIME et OpenPGP. Les détails sont intéressants. Lisez, si vous avez le temps, lisez, informez-vous dessus. On n'a pas mis ça pour taper dessus. Je ne sais pas comment ça vous va, comment vous allez, mais j'ai déjà rencontré deux personnes dont j'ai l'impression qu'ils qui sont officiellement de l'avis que non, ils n'ont pas réussi à mettre en place la crypto dans leur société, et donc officiellement ils ont simplement arrêté d'essayer. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a aussi arrêté? Ah, il y en a si peu que ça? Ah bah on a de l'espoir alors. Je crois qu'il faut qu'on mette on va éteindre la lumière et ensuite on va reposer la question. Ah oui. Qui est dans une société dans laquelle on n'a jamais commencé avec la crypto? Ah. Aha. Qui a dû expliquer la crypto à son chef ou un collègue cette année? Ah bon, ça va encore. Sinon, il y avait des choses remarquables desquelles nous allons devoir aller relativement vite. Donc le déni de service de la protection des données, la Direction générale de la protection des données. Donc qui a eu du stress? Qui est-ce qui a trouvé ce stress plutôt mauvais? Qui a trouvé ça plutôt bon? Et qui a trouvé ça plutôt rigolo? Okay. Donc la plupart d'entre vous se sont simplement amusés pour voir les mails qui sont arrivés. Donc c'était vraiment du mendier. S'il vous plaît, cliquez dessus pour qu'on puisse vous garder dans notre mailing list pour nos produits innovatifs, et que aucun d'entre vous n'a été et personne n'a été dans un
dans un conseil de parents d'élèves où les avocats ont essayé d'envoyer l'école à l'âge de pierre. Vous connaissez trop de monde. Die schönste Schlagzeile zu fand ich ja. Le mieux c'était. Ça a été une faille dans le plugin de la DGPR pour WordPress. Microsoft BigQuery a fait confiance au firmware des disques durs qui disaient que oui, bien sûr qu'on a la cryptographie. Honnêtement, Microsoft. Je veux dire, c'est une société qui, tous les jours, a fait quelque chose avec des OEM. Et que les OEM leur expliquent que, tiens, regarde notre nouveau driver, et ils le croient. Et ils croient les disques durs qui disent que, oui, bien sûr que je suis capable d'encrypter. C'est fou. Sinon, tout est empoisonné, donc on a les applications, on a les apps trojanisées, et on a eu des trucs très intéressants, complètement fous, auxquels on aurait pensé plutôt que c'est des gens qui sont complètement fermés du monde, comme par exemple les soldats, et ben, de nos jours non plus, ils ne sont plus, ils ont tous internet, et avec plus ou moins de bande passante, et ils s'installent des apps, comme par exemple des apps de rencontres, des apps de fitness aussi. Ah oui. Et donc, elles sont où ces bases secrètes? Il suffit de chercher des endroits où il n'y a rien qui se passe, et ensuite tu regardes ceux où il y a beaucoup de gens. Là où tout le monde court 15 km. Ah, tiens, c'est là. Donc la question, comment est-ce qu'on vérifie l'intégrité d'un système OS pour un système open source, comment est-ce qu'on la vérifie? Et là, cette année, il y en a eu beaucoup qui ont récupéré une backdoor, et ça va être de plus en plus dangereux, parce que plus la... l'infrastructure de déploiement est certaine, plus il va falloir remonter à la source. Sinon, ça, avec les bugs, c'est pas uniquement les problèmes, mais aussi dans les malwares. Donc il y a une raffinerie qui a été infectée par un Troyen en Arabie Saoudite. Mais lui, il n'a pas fonctionné. Mais le Troyen n'a pas fonctionné parce qu'il était buggé. Donc, testing est difficile. Allons faire des emplettes. Un nouveau milestone dans le domaine des chevals de Troie. By Intel heißt es Intel Management Engine. Dans les engins de management pour les processeurs. La compagnie HP est la première qui peut dire que pour nos systèmes, il y a déjà un cheval de Troie de chantage. Et félicitations pour cela. Oui, dans le contexte de choses qui sont déjà longtemps en train de cramer. OpenSSH, ils ont fixé une faille de sécurité qui avait 19 ans, qu'on peut utiliser pour deviner des noms d'utilisateurs. Et dans ce contexte, on a regardé s'il y avait des eBury rootkits, s'il y avait des choses dans le genre de 2013 ou quelque chose comme ça, et il a trouvé 21 variantes. Donc c'est comme un virus normal pour Windows. Donc en fait, est-ce qu'on fait trop de blagues sur Windows, trop de blagues sur Windows 2003, ou est-ce qu'il faut aussi taper plus sur des vieilles versions de Linux
La réponse, visiblement, c'est oui. Qui d'entre vous connaît un système sur lequel tourne encore un kernel 1, un noyau 1, un kernel 2? Ouais, je vois. On va arrêter là parce que je pense que cette histoire avec les plaques d'immatriculation historique, ça va vraiment devenir intéressant. Cross-plateforme. Surtout toutes ces vieilles histoires de matériel parce que qu'il faut finalement virer parce que la mémoire n'est plus suffisante pour une mise à jour de kernel. Qu'est-ce qui d'entre vous maintient encore un OS 2 à au moins 3 personnes? Donc, la guerre des navigateurs sont terminées. On peut dire que Google a gagné, Microsoft a abandonné. C'est pas vraiment une bonne nouvelle a priori parce que ça va conduire à ce que Google écrive les standards sur le net selon l'ordre de grandeur que Mozilla et Apple vont encore travailler dessus. Et on voit qu'il y a vraiment une monoculture qui émerge dans le domaine des navigateurs et des... Ce qui était encore très intéressant, c'était l'assistant Google qui peut réserver des tables au restaurant par téléphone. Qui est-ce qui a regardé les démos audio? Ouais, pas mal. Mais vraiment pas tous. Ça, ce qui était vraiment fascinant, c'était pas qu'ils appellent et qu'ils disent « Salut, c'est truc machin, j'aimerais bien réserver une table. » Ce qui était dingue, c'est que finalement, il a répondu quand il était contesté, quand de l'autre côté, l'autre personne a dit « Faut que je regarde », il a fait « Uh-huh » ou « Ok ». Donc les petites interjections qui sont pas vraiment des vraies réponses à part des tests de Turing non verbaux finalement. Pour nous en tout cas, pour nous humains. Si quelqu'un vous appelle et ne fait pas de petits bruits, au fond vous pouvez devenir suspicieux. Donc finalement on devrait introduire des tests et dire des trucs comme loi sur l'imposition ou au plein milieu de la réservation pour le restaurant et juste voir si l'autre fait hein ou mm-hmm. La question est justement si est-ce que vous le faites vous-même ou si vous allez entraîner un assistant. So. Voilà. Et pour 2019, on arrive au petit point pour 2019. Parfois, on est à côté de quelques années, on rate quelques années, mais la tendance que tout ce qui est possible, imaginable, reçoivent un microprocesseur et bien sûr aussi tous les microprocesseurs reçoivent un logiciel et que le matériel n'est jamais seulement matériel mais aussi logiciel et ce logiciel veut vous trahir mais en principe elle veut pas parce qu'une chose ne veut pas, le logiciel ne veut rien. Elle est condamnée à le faire. Ce qu'on veut dire, c'est que finalement, partout, il y a des microprocesseurs. Peu importe si ça a du sens ou pas, chaque interrupteur est doté d'une puce. En principe, il faut juste dire qu'il y a une exception qui a quelque chose qui ne calcule pas. Déjà, quand ça a quelques LED qui font juste de la lumière, il y a au moins un contrôleur de batterie qui calcule et qui a un micro-logiciel.
Puis il y a des données. Les données, finalement, elles sont sauvegardées quelque part pendant un certain temps et elles vont disparaître. Et la raison est que la qualité du logiciel est mauvaise. Au début, on n'a pas besoin de sécurité, on en a besoin par après. Mais au début, on n'en a pas besoin pour que ça fonctionne et pour que les gens l'achètent. Et bah ça balance énormément de matériel sur le marché, de gens qui font ça pour la première fois. Et donc, ça peut pas, ça arrive a fortiori. L'autre jour, j'ai lu un article vraiment sympa d'un Ben quelque chose qui s'appelait « Quelques pensées sur l'intelligence artificielle ». Et il y avait une belle image dedans, une belle analogie. C'est que l'intelligence artificielle ou le machine learning aujourd'hui, c'est comme un enfant de 4 ans. Sauf que il ne va jamais se fatiguer, il ne veut pas de gâteau. Et si tu en as besoin encore de 30 de plus, tu cliques une fois. Et les enfants de 4 ans peuvent faire certaines choses que ton ordinateur ne peut pas encore faire. Donc, repérage de certains objets, est-ce qu'il y a des animaux? Et c'est vraiment une belle analogie en fait. Parce que vous savez comment les enfants de 4 ans agissent avec les secrets de famille? Ben voilà! Exactement comme ça. Il y a des jardins d'enfants où il y a des affaires. Si vous ne croyez pas tout ce que votre gamin dit, ce qui c'est. Donc il y a les affichages qui disent si vous ne croyez pas tout ce que votre enfant dit sur ce qui s'est passé au jardin d'enfants, nous ne croirons pas tout ce que votre enfant dit sur ce qui se passe à la maison. Donc. La question est là, ça ressemble à quoi avec l'analogie avec l'intelligence artificielle? Ben, c'est exactement pareil. Tu veux dire, Alexa, tout ce que j'ai pas dit, c'est pas correct. Et Alexa, Genau. Also, aber es ist ja nicht alles schlecht. Mais sinon, tout est pas mauvais. Il y a aussi des choses qui vont être mieux. Also. Es gibt technische Fortschritte, die Il y a des avancées techniques qui ont lieu. Donc Apple essaie de fortifier son système pour PC. Microsoft, il y a des bacs à sable, des sandbox. Des choses qui sont absolument normales pour les smartphones, pour les tablettes. Parce que c'était là depuis le début, l'IoT, l'Internet des choses. C'est absolument horrible, mais les choses qui interagissent directement avec les humains, ça devient mieux. Et si c'est bien correctement mis à jour. Et il y a bien sûr des choses qui se passent et les attaques contre les IoT, bien sûr qu'elles continuent, comme par exemple la force brute, etc. Mais le PC. Là, il y a moins de choses qui se passent. Tout ce qui est complètement fermé, à peu près, où on ne peut même pas installer son propre système d'exploitation et qu'il y a juste trois apps qui, avec la sécurité du système et aussi aidée avec le hardware, là, par contre, c'est plus difficile à attaquer. Et donc, on s'est posé la question, donc, quelle est l'évolution? Et donc, c'est pas comme si les criminels vont dire « Bah non, on va arrêter puisqu'il ne se passe rien. » Donc, la conséquence logique, c'est que la logicielle va devenir de plus un layer 8. Donc, il existe entre la... C'est donc dans l'interface chaise-écran. Et donc, on a vu les vidéos, Kézen. On a vu. Donc, des Troyens intéressants qui allaient dans une certaine banque avec un exploit qui a ouvert la banque. Il a mis dans la banque en ligne « Hey, tu viens juste de récupérer 750 euros mauvaise. » C'était
Mais si tu es, si tu es gentil, enfin si tu es quelqu'un d'honnête, faut que tu le re, tu faut que tu rembourses cet argent ou que tu renvoies cet argent. Et tu donc c'est une attaque contre toi comme personne. Et donc en fait les gens ont fait ont rendu 750 euros qu'ils n'ont jamais reçus par erreur. Et c'est passé parce que l'homme le voulait, la personne le voulait. Et ça, c'est là où va le futur pour les attaquants. Et donc les attaquants vont aller de plus en plus vers le contre l'humain en utilisant que les intelligences artificielles vont être le plus vont les aider. Et donc comment est-ce qu'on fait ça? Et les hommes sont relativement peu patients, sont relativement impatients, ou ils sont relativement simples à La plupart du temps, ils sont distraits. Ah, ils sont distraits, et donc c'est relativement facile. Donc, une intelligence artificielle pour le phishing, on peut imaginer, ça va être... donc comme un gamin de 4 ans, je veux une glace. Ouais. Est-ce que je peux avoir ton portable, ton téléphone portable? Nous voulons tous avoir de l'argent de poche. Ouais. Et donc, oui. Donc, c'est comme I love you. C'était quoi? C'était il y a 18, 20 ans ou quelque chose comme ça? Et c'était ça. C'était un mec. Et c'était un mec du club qui me disait à Berlin: mais j'ai installé ce système. J'ai installé un Windows rien que pour ça parce qu'il venait de ma copine. Donc, je voulais pouvoir le lire. Pour pouvoir lire ce message. Pour voir si le message est absolument correct. Donc. Und dann ist ja das nächste, dass jeder Daten et chaque incident de données, c'est des données d'entrée pour ces intelligences artificielles. Donc chaque donnée qui vous perdez, c'est encore mieux pour les intelligences artificielles pour qu'elles vous envoient de meilleurs systèmes de phishing, d'email de phishing. Donc qui a les meilleurs? Mais tout se tient en fait, c'est même pas méchant. C'est phishing, c'est jamais qu'une forme de marketing. Fais quelque chose ou fais pas, achète-moi, achète-moi, clique-moi. Et le marketing, c'est de la motivation, et la motivation, c'est de la formation, et la formation, c'est le bonheur. Et c'est là que le cercle est fermé, c'est tout est utilisable. Et donc la question c'est qu'est-ce qui est moral? C'est une question de morale, qu'est-ce qui est OK ou qu'est-ce qui n'est absolument pas OK? Absolument pas OK, c'est de me persuader d'acheter des cartes iTunes pour payer mes taxes. Mais peut-être que le software, peut-être que je veux que le software me motive pour apprendre 5 minutes d'anglais. Et donc, on se laisse manipuler. Et avec quelle motivation? Enfin, qui veut nous manipuler? Et tu dis, apprendre l'anglais. Tu crois que tu veux apprendre l'anglais. Mais la question, c'est, pourquoi est-ce que tu crois que tu vas apprendre l'anglais? Qui? Quelque software t'a manipulé pour que tu veuilles d'un coup apprendre l'anglais? Peut-être qu'ils veulent simplement te vendre un voyage vers Londres. Donc cette question, quelle forme de manipulation technique, aussi qu'émotionnelle et morale, sont OK, lesquelles sont OK, lesquelles ne le sont pas, et où est-ce qu'on veut en tant que société poser la limite? Et ça va être une question de sécurité. Parce que si on commence à avoir des intelligences artificielles qui nous appuient sur nos boutons, et qu'on écoute ce qui se passe sur Facebook, etc., etc., et que d'un autre côté, on a des systèmes d'apprentissage automatique et de deep learning, et qu'on a peur. Donc, je pense qu'on peut voir que cette discussion ne peut pas être reportée à plus tard. Comment est-ce que ça se traduit donc dans des domaines d'activité du sport? Nous pensons qu'on va très vite perdre la vue globale
Quelles données ont été perdues sur moi ce mois-ci? Qui est-ce qui sait quoi? Qui est-ce qui est déjà au courant du nom de fille de ma mère? Et du coup, partout, j'en donne un autre parce que ce truc-là, je l'ai déjà vu. Mais lesquelles de mes réponses sont déjà connues? Du coup, maintenant, il y a des services que tout le monde devrait connaître, comme Have I Been Owned, qui collecte toutes les informations sur les leaks de mots de passe et d'email. Là, tu peux te connecter, tu peux t'enregistrer avec ton adresse email et tu peux demander à être notifié dans le cas où cette adresse email est volée quelque part. Et les autres leaks qui existent, ben, il faut en quelque sorte les collecter et de façon sûre. Parce que si ça, encore une fois, c'est volé, tout ça en endroit, ça aussi, c'est un problème. Et pour ça, on a donc besoin d'un trésor pour des données qui ont été volées, comme un manager pour le doxing, comme pour un manager des mots de passe. Ça, quelqu'un devrait l'inventer. Là, je pense que j'ai foiré l'ordre. Enfin, on peut faire un, ça, on peut passer là-dessus. Exercise left to the reader. Bon, ça, on va laisser ça comme exercice pour le lecteur. On se rend compte que les bandes de fréquence deviennent de plus en plus hautes. Finalement, la qualité aussi augmente. Je trouve que le monde part de conférences de téléphone, là où on partage aussi l'écran. Et j'ai l'impression que de plus en plus de personnes qui participent à des trucs comme ça, qu'on pourrait utiliser comme conférence, activent leur caméra. Qui est-ce qui trouve que ça augmente? Non, quand même quelques-uns. Je trouvais ça assez visible cette année. Trucs qui étaient des conférences téléphoniques à l'époque et sont maintenant des conférences vidéo. À qui est-ce que ça aide pendant le travail? Et qui est-ce que ça dérange? D'accord, vous préférez ne pas être observé en dormant pendant une conférence téléphonique. Mais finalement, cette caméra, on peut aussi l'utiliser pour détecter le pouls et la fréquence de respiration pour voir si le mec en face est en train que son pouls est en train d'accélérer parce que je viens de mentionner un certain ticket qui est dans la file d'attente. Est-ce qu'il est en train d'avoir des sueurs froides? Et quand ça augmente, dès qu'il y a des plugins avec lesquels on peut extraire des données supplémentaires d'un stream vidéo, ah là, il faut avoir des contre-mesures. Et on va intégrer ça comme achat dans l'application. À ça, on peut cliquer quel profil on veut jouer aujourd'hui. Genre Poker Face pour 2,50 euros. L'employé satisfait pour 5 euros. Le gars colérique pour 6 euros. Et parfois, peut-être qu'on veut s'énerver sur quelque chose duquel on peut plus s'énerver depuis longtemps. Et en fait, c'est beaucoup mieux pour la santé. Et ordinateur, est-ce que tu peux t'énerver pour moi, s'il te plaît, à ma place? Donc, si on réfléchit un peu aux emojis qu'on peut contrôler avec la mimique, donc si on rassemble ça avec les deepfakes, il y a vraiment de la marge. Des avatars numériques avec de l'humeur, c'est très intéressant comme domaine. Et puis, à la fin, cette année, la question, ce serait quand on interagit avec quelque chose, est-ce que c'est un script? Est-ce que c'est de l'apprentissage de par machine? Est-ce que c'est une intelligence artificielle? Parce que ça ne va pas être un humain, en fait. C'était quoi déjà la différenciation? Si c'est du Python, c'est de l'apprentissage par machine. Ici, c'est PowerPoint.
c'est de l'intelligence artificielle, c'est ça? Oui. Et s'il y a encore quelque chose avec du blockchain, c'est que c'est définitivement du PowerPoint. Et aussi, à l'inverse, l'inverse est aussi vrai. Si vous devez agir avec quelque chose comme ça et n'êtes pas sûr avec qui je parle, et finalement, la question est, est-ce qu'il me faut juste un script pour résoudre le problème? Est-ce que j'ai besoin d'apprentissage par machine ou est-ce qu'il faut que j'attende? Oui. Et là, finalement, on est relativement dans les temps cette année. Et nous vous souhaitons une bonne année 1984.